vérité immuable affirme que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mawu ƒe nya si ke nye nyamatrɔmatrɔ gblɔe bena Yesu Kristo enye ya ma ke tsɔ va yi egbe kple mavɔmavɔ. Hebreux 12 verset 8. Hebreux 8 verset 8. Jésus aime son église passionnément malgré son imperfection, comme nous pouvons le lire dans le livre des Cantiques. Yesu lɔ eƒe hamea kple lɔlɔ helihelihe togbɔ be hamea mede blibo hã abe ale ke miaxlẽ le. Tu es toute belle. Be enyo ŋutɔ. Et en toi. Eye mewa. Il n'y a point de défaut. Evo dada meli. Tu me ravis le cœur. Enana nye dzi soit. Ma sœur. Nɔvi. Ma fiancée. Nye. Cantique des Cantiques 4 verset 7 à 9. Hape ha tane. Pupui. C'est celle-là. Ne yandre. Acheke Andre acheke. Une épouse parfaite, fin, prête, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que Jésus entend revenir chercher. Et c'est pour bientôt. Pour le moment, cette fiancée imparfaite. Qui a rempli le cœur de Jésus-Christ doit se préparer et être prête pour les noces. Jésus aime son église composée de tous les rachetés, les saints. Il aime aussi ceux qu'il a appelés pour prendre soin des brebis, pour perfectionner les saints et les saints, ses serviteurs et servantes, ses ministres qui nuit et jour avec abnégation et passion et zèle travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Jésus aime les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les évêques, toute son église. L'église est aussi appelée son corps, le corps de Christ. Chacun y trouve sa place. Ainsi comme le corps humain, le corps de Christ doit être uni. Il doit être uni. Il est évident que tout en priant que tous ses disciples soient un, comme le Père et lui sont un, ils regardaient plus loin dans l'avenir. À notre siècle présent. Et ils priaient pour notre unité aujourd'hui. Car ils disaient, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin que soit aussi un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Jean 17 verset 20 à 21. L'unité de l'église. L'unité de l'église. La voyons-t-elle aujourd'hui? Elle existe-t-elle aujourd'hui? Comme une maladie de l'organisme, la division n'a-t-elle pas contaminé aujourd'hui tout le corps de Christ? Abale ke dojena, untina dire de mama mazu dole Christo ba hame agbewa. Si nous a donné aujourd'hui de monter au ciel, d'aller auprès de Jésus et de regarder son visage pour lui demander ce qu'il pense de son église. Je crois que les larmes lui couleraient de son visage. Et cette larme en dirait assez sur les préoccupations qu'il a en ce qui concerne la division dans son église. Ses yeux suffiraient à nous convaincre que la désunion et la division sont des œuvres de l'enfer. Et freinent l'œuvre de Dieu, la mission
mission de l'église rester sur terre. Mais tu pars de même avis. Mon frère, ma soeur. N'es-tu pas de même avis? À quand le réveil? À quand le réveil? Il nous faut le réveil. C'est l'heure de se réveiller de ce sommeil qui nous conduit à nous embarquer dans des œuvres des ténèbres. Le réveil, c'est maintenant. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelle heure nous sommes. C'est l'heure de nous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains 13, verset 11. Celui qui est réveillé est éveillé. Il est éveillé. Il ne lui suffit pas seulement d'aimer le Seigneur Jésus. Il donne tout son amour entier pour lui. Dans toute sa mesure. Il apprend à aimer tout ce que Jésus aime. À ressembler à Christ et à sauvegarder cette ressemblance. C'est pour cela que je suis absolument convaincu que Christ exige de tous ceux qui sont nés de nouveau qu'ils soient un et unis les uns les autres dans l'amour. Cela signifie que nous devons tous refuser que l'ennemi s'infiltre parmi nous pour nous diviser et nous détruire. La division de l'église n'a que trop duré, mes frères et sœurs. Des églises se font la guerre entre elles. De bons amis deviennent des ennemis endurcis. Le sous-sol remplace la confiance. La prière est supplantée par la médisance, la calomnie, le dénigrement et la délation. Lesika me la dogbeda. À mon avis, était souvent à mon avis comme doudou, et n'avons bourré à mon avis tu peux pas quoi ébati. On cherche son intérêt et non celui du maître. Mais le amessa me l'épaule on nous dit manya. En se servant de son nom à des fins mercantiles. Pourquoi continuons-nous à tolérer cette division de l'enfer? Cela n'a aucune justification scripturaire. La division au sein d'un groupe limite et freine l'accomplissement de ses objectifs. Tandis que l'unité est un atout pour atteindre ses objectifs. Quand Dieu a regardé les constructeurs de la tour de Babel, a dit qu'ils forment désormais un peuple, c'était la cohésion au sein du groupe qui faisait alors leur force. Et si maupo a messio le motumbo wa no dipo ebe a ameyo woreka etebena hatotuma amemoa o le deka owome. Et cela leur a permis de réaliser leurs objectifs. Mais webena tarodinu si le osia elemevam. L'unité est donc l'un des facteurs clés qui concourt à la réalisation d'une vision. Rappelez-vous, l'Esprit Saint qui donne la force de répandre l'évangile est descendu justement sur les apôtres au moment où ils étaient ensemble, d'un commun accord, dans le même esprit. Dans Actes 2, verset 1, nous lisons. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Aucun apôtre néo-testamentaire
n'a jamais approuvé la division et la désunion des chrétiens nés de nouveau. Apostolo adeke mele mbabla ye yame. Sia a ukwese, sia dasile dibena, a moyopo gogadia, wa no mamameo. Cela est hautement condamné par Dieu lui-même dans les Écritures, frères et sœurs. Novi du klonyonu, ma unto le ngongolome, e bouffon maman. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Que si maman le mia domede, de manya mti la maman mienye oua. Je vous invite à lire 1 Corinthiens 3, verset 1 à 11. Ma kpe me ben mia akhle kore, toi gwa le mwa to ta topi gwa yiru ki ama. Et vous comprendrez. Ye mia se gomme. Et un peu plus loin. Et ga ye di oua. L'apôtre Paul compare l'église à un corps et fait de différents membres, mais unis dans leur interdépendance. Apostolo Paul so ha mia sople, mti la si ke wore ka evo, mti nu vovo voe leme. Et il dit. Et vous globe. Et qu'il n'y a pas de division dans le corps. Mais que les membres aient également soin les uns les autres. 1 Corinthiens 12, verset 25. La diversité qui nous caractérise n'a pas besoin de tourner en désunion. Cette diversité doit trouver son expression sans discorde, sans conflit. Elle bena amevo vomo semienya awebena mia potane allo mia won de ka lesie vivli allo avoir pro mon vie manoanyo. Si nous avons bien sûr le même esprit. Ne tobena bogboma de ka kwele mi kata miama. Saint-Esprit. Bogoko kwi. Mes frères et sœurs. Na vitu pronyo no. L'unité est le thème central de la première épître aux Corinthiens. De ka wo yenye tomatina dans la totalité du message néo-testamentaire adressé à tous les chrétiens et dans toutes les épîtres et lettres pastorales de Paul et même des autres apôtres, on trouve un appel clair. Que le décawo si kenye tomatia mia kbebe mbabla yakata ple agbalesio paulo ngro ple apostolo bubo ngro mia kbebe nde kantiko ole enye décawo appel clair enye yoyo deca sans ambiguïté yo, à l'unité yoyo simo kofa bena wawo deca et non à la division menye mama o. Il soufflait une tornade de vent spirituel qui emportait toute l'église dans la direction de l'unité les uns avec les autres en Christ. Bogboma yade fou. Alebena woklo. Nola woklo. Hame vio katambena. Wawo. Nusolo katambena. Wawo deka. Ce vent-là, nous avons besoin de ça aujourd'hui. Aya pofoma mihia ekbe. Cette tornade de vent spirituel. Aya bogboma ya pofoma. Voilà ce qu'il nous faut aussi aujourd'hui. Yehia mi ekbea. Le réveil. Nyon, nyon. Le réveil. Nyon, nyon. Il nous faut le réveil. Nyon, nyon, hiami. Ne le comprends-tu pas? Demain, c'est comment? Et c'est Jésus-Christ lui-même qui appelle au réveil son église. Hey, yes, unto, elle, behama, yombe, no, anyon. Car il ne reste que peu de temps. Elle, abena, hey, yidia, le, ko, poto. N'attends-tu pas le son de la trompette, mon frère, ma soeur? No, bien, tu, prenyon, demain, le, prenyon, dit, le Saint-Esprit, à travers cette émission, est en train, et j'en suis persuadé, de percer les cordes de ton cœur maintenant pour t'appeler au réveil et à œuvrer pour le réveil de tes frères et sœurs. Mo kwese bena gbogbo kokweto wona ya me le asiden woto me kanti alebena la seconde nyonyon hia eye to di o ha nyonyon la de amo bo. Mo frère, tu peux participer à l'enfantement du réveil. Non vi nyonyon ko ntu o ha la tiana nyonyon no ava. Tu peux participer à l'enfantement de ce réveil. Nyonyon la ten to mi o di ava. Ce peuple puissant du Saint-Esprit qui va enflammer toute l'église et embraser toute la nation. Bok bok ko be joya sike lava a ho ha me kata ale ha me kata yo ale du ko kata pour la transformer de fond en comble. Ale bo atroe kankan et atteindre les extrémités de la terre. Ey wa yeka ni babe mlenu o ke amener le règne de Dieu dans chaque nation du monde. Ale bo ane bo mawo tserudu wa no heke alo du sia du le heke ame. Mon frère, ma soeur, Dieu veut t'utiliser. Mawo dibe ya zan. Dieu veut nous utiliser.
Dieu te cherche comme collaborateur. Cher ami auditeur, auditrice. Cher téléspectateur, téléspectatrice de LNTV. Mes bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Je crois que vous êtes encore là aujourd'hui à votre émission préférée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a une grande différence entre faire l'œuvre de Dieu et se servir du nom de Dieu à des fins mercantiles. Vovo toto gandele maudowo ple azamobonko he adwa joya domain. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. A dit l'apôtre Paul. Apôtre Paul Eble. Dans 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15. Alors, mes chers amis, merci d'être encore là très nombreux. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage. À travers sa précieuse parole au cours de cette émission. Je prie surtout que le Saint-Esprit fasse jaillir et exploser le potentiel que Dieu a mis en vous pour accomplir le plan merveilleux qu'il a conçu pour vous sur cette terre. Sa grâce renouvelée, nous nous retrouvons encore une fois sur le chemin du réveil. Et nous sommes à la 12e étape qui nous permet de grimper sur le sommet d'influence de toute société que Dieu a appelé l'Église à impacter. Le sixième sommet d'influence dans une société. L'économie et les finances. En d'autres termes, le chrétien sur la place du marché. L'économie et les finances. Écoutez bien. Quand je parle constamment du réveil de l'Église pour transformer, pour changer notre société, pour changer la nation. Pour ceux qui traînent, que je cherche à rassembler tous ceux qui se disent chrétiens en vue de créer un mouvement. Je tiens à les rassurer, à rappeler que mon appel s'adresse avant tout et principalement à des chrétiens nés de nouveau. Me dit ma donku aloma karejina obena nye bedasia ye nye bena nye bedasia le yina a mesionya Christo to si opo kwa gachi. Essentiellement des personnes qui désirent ressembler davantage à Christ et jouer convenablement leur rôle de sel et lumière. Ve vieto a mesio dibe yo a di Christo a mesio di Christo e wa obo dedasi ikenye e jeple kekanwe kekelia. Ceux qui veulent vraiment témoigner. A mesio dibe yo a di dasi wa fa. Et gagner d'autres âmes à Christ. Yo a de louvo bu blora Christo. Faire des disciples. Wa wa nous sera là wo. De Jésus Christ. Wa wa nous sera là na Yesu. En impactant le monde. A lebo obo nu a wo dore kekeji. C'est un appel de Dieu. E a nyama po yo yo. C'est une vision que je partage. E a nyong te gasi ke mwana mama. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des moments de réveil. Il y a eu des moments de réveil. Et je crois que c'est encore le moment pour notre génération. Je désire alors prendre la tête d'aucun mouvement pour quelque but que ce soit. Loin de moi cette idée. Je n'ai d'ailleurs jamais cherché même à mettre sur pied une église. Ni à diriger une. Je suis un enseignant de la parole. Je suis un enseignant des saintes écritures. Et j'aime vivre et expérimenter ce que je découvre dans la parole de Dieu. Et
et l'enseigner. C'est ma passion. Quand je parle du réveil, il s'agit en fait du réveil de l'Église, du rayonnement de l'Église pour apporter la lumière de Christ au monde. Mais bien-aimé dans la foi, soyez donc bénis. Soyez d'accord bénis. Comme je viens de l'annoncer, nous suivons notre étude sur Akan le réveil. Akan le réveil. En continuant notre exploration des sept sommets de puissance qui doivent être touchés et transformés nécessairement lorsqu'il y a réveil. Nous allons donc nous intéresser à l'économie divine. Le sommet de l'économie et des finances. Les affaires. Écoutez, on raconte l'histoire d'un fabricant de chaussures qui a envoyé deux de ses employés faire la prospection dans une ville. Écoutez bien, les deux sont arrivés dans la ville séparément et ont découvert que tous les habitants de cette ville étaient pieds nus. Le rapport que le premier envoya à son employeur dit que les gens n'ont pas besoin de chaussures dans cette ville. Tandis que l'autre voit un marché prospère se développer. La vision. Il y a une histoire similaire dans la Bible concernant la prise de la ville de Cana par les Israélites. Cela se trouve dans Nombre 13 et le chapitre 13 et le chapitre 14. Lorsque Moïse a envoyé les 12 espions explorer la ville, ils sont revenus au bout de 40 jours dans un esprit fataliste et défaitiste. Et ils ont produit un rapport alarmiste et démoralisant. Et nous avons vu des géants, les enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Voilà ce que le rapport que les dix ont produit. Les deux autres restants, Josué et Caleb, pleins d'audace et de foi, ont proclamé avec fermeté. Taisez-vous. Ces gens nous serviront de pâture. Mortons et apparons-nous du pays. Dieu nous l'a promis. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez faire de toutes les nations mes disciples. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus nous l'a promis. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de LMTV, la puissance et le rayonnement d'une nation sur terre dépend avant tout de sa puissance économique. C'est du dynamisme du monde des affaires. Et il y a un adage populaire qui dit: hors d'indépendance économique, point d'indépendance. Autrement dit, celui qui détient la bourse détient le pouvoir. Église,
frères et sœurs en Christ. Amen. Nous avons dû prendre nous le Christ. L'Église en Afrique doit impérativement se départir de cette mentalité que lui a inculqué le colonisateur missionnaire blanc, selon laquelle ce sont les pauvres qui héritent le ciel. Elle est Africa be hamiadi la toko le nono mama sike yevu mau nyabla don kogoto siova eche du kwadi yocho nyapapa brode du kogoto mabena amada hokwela itifwa. Les blancs dans leur conquête de l'Afrique ont brandi la Bible en disant nos parents heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Yevu banto mon siova Africa ocho nyaya do bubule du kombenadi awaira amada hoko le kogomola bena wawe akoma. Pour pouvoir les endormir afin de mieux piller nos richesses. Voilà mes frères et sœurs, un exemple d'une déformation subtile de la parole de Dieu. Dans son sermon sur la montagne, Jésus a bien déclaré heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Il n'a pas dit heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Alors, ils nous ont présenté une hérésie gnostique et anti-biblique. Et c'est ce qu'ils ont présenté à nos parents. Je vous prends ton monsieur va africain. Le fait de posséder des biens matériels en abondance est charnel et contraire à la spiritualité, donc c'est un mensonge. Si le psaume 24 verset 1 affirme clairement que Dieu est le seul propriétaire de toute richesse, incluant les choses matérielles, peut-on logiquement en conclure que Dieu est le plus grand pécheur ou bien le plus charnel? Non, absolument pas. Il a mis toutes ces choses à la disposition de ses enfants. Dieu bénit ses enfants en leur prêtant ces choses afin qu'il les gère pour son compte en les utilisant pour faire progresser le royaume de Dieu sur cette terre. Il est bien entendu que le Père ne s'attend pas à ce que ses enfants accumulent des maisons, des bateaux, des jets privés, des portefeuilles, des titres, ni des comptes garnis en banque, sans pouvoir faire avancer son royaume. Ce que nous possédons sur la terre, bien sûr, ne nous accompagnera pas au ciel. Ce qui va nous accompagner, c'est notre caractère et notre capacité d'obéir à Dieu avec foi. Mais nos œuvres ne nous suivront pas. Et chaque œuvre, écoutez bien, passera à l'épreuve du feu. Mais je viens de vous parler de l'évangile de la pauvreté. En réaction à cet évangile de la pauvreté, certains prédicateurs aujourd'hui prêchent aussi l'évangile de la prospérité, l'autre extrême. Aussi un autre évangile. Et l'expérience a prouvé que ce sont des
prédicateurs qui s'enrichit plutôt eux-mêmes aux dépens de leurs fidèles. Mais un jour, il y a un fondateur d'une grande église qui est promoteur de cet évangile. Il est venu à Lomé, il s'est vanté au palais des congrès de Lomé être propriétaire de deux jets privés qu'il a payé cash. Il a fait d'ignorer que parmi ses fidèles, il y a ceux qui n'arrivent même pas à prendre deux repas par jour. Qu'il y a des chômeurs et des familles qui n'arrivent pas à assurer convenablement l'éducation ou la formation de leurs enfants. Je n'hésiterai pas à l'applaudir s'il avait offert par exemple des bourses d'études aux fidèles démunis de son église, ou s'il a mis il a proposé mettre sur pied une agence de microcrédit pour les aider à entreprendre une activité régénératrice de revenus. Mais j'ai dénoncé ceci parce qu'au lieu de cela, les pauvres ouailles lui ont encore vidé leur poche. Mes frères et sœurs, il est intéressant de rappeler à cet effet ce que le Seigneur Jésus a dit au jeune homme riche en Matthieu 19, verset 21. Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est comme ils ne lisent jamais. Ceux-là qui pillent l'église aujourd'hui, c'est comme s'ils ne lisent jamais ce passage. Et je pense que ceux qui s'aiment dans ces genres de ministères, ces ministères que j'appelle les ministères de la cupidité, eux-mêmes ne valent pas mieux que les responsables de ces ministères. Parce qu'ils ne donnent pas amour ou bien pas reconnaissance pour Dieu. Eux-mêmes, ils donnent dans le but de s'enrichir comme on joue à la loterie. Et ils sont aussi cupides que leur maître. Et en retour, au lieu de la parole de vie, ils ne reçoivent que du poison. Je pense que c'est l'enfer qui vous attend, vous tous, si vous ne vous convertissez pas. Autant l'évangile de la pauvreté est à proscrire, autant l'évangile de la prospérité est à proscrire. Il faut comprendre que tous les deux sont une émanation des profondeurs de Satan. Aujourd'hui que nous avons accès facile à la Bible et que chacun puisse la lire et la comprendre, nous devons savoir que l'évangile propose un ministère holistique. L'évangile propose un ministère holistique qui prend en compte le développement intégral de l'homme. Biblia
C'est le plein évangile. Le Seigneur Jésus, au cours de son ministère sur terre, ne s'est pas occupé seulement du bien-être spirituel des gens. Pour moi, le plein évangile égale le développement. L'évangile même doit nous conduire au développement. Que personne ne vous dise que l'évangile ne conduit pas au développement. Je vous donne un exemple. Quand Dieu prend de l'argile, il ajoute de l'eau et la pétrit pour lui donner une forme. Puis il y ajoute son souffle pour en faire une âme vivante. C'est-à-dire l'homme. C'est le développement. C'est le développement. C'est la création de richesses. Ce à quoi nous sommes tous appelés, étant créés à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Mes frères et sœurs, Dieu nous a donné l'exemple à créer et ensuite un bel cadre de vie à l'homme et en lui confiant sa gestion. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Cela signifie que nous sommes créés pour avoir les mêmes buts fondamentaux, les mêmes désirs, les mêmes ambitions que Dieu, et que cela doit être réalisé ici sur cette terre d'abord. Avant de regagner le ciel pour nous reposer. Le ciel, ce serait notre retraite. Mes frères et sœurs, il a dit, Dieu l'a béni et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez la, dominez sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur terre. Genèse 1 verset 28. Dieu notre Père travaille. Il travaille encore aujourd'hui. Jésus notre Seigneur travaille toujours. Il travaille toujours. J'enseigne verset 17. Nous sommes appelés non à l'oisiveté, mais à travailler pour transformer, pour produire la richesse. Oh, mes frères et sœurs, l'évangile ne constitue nullement un frein au développement. Ça ne constitue jamais un frein au développement. Et je peux, du matin jusqu'au soir, prouver cela à toute autorité qui pourrait me dire que l'évangile est un frein au développement. Malheureusement, dans les secteurs de création de richesses, les chrétiens sont absents. Ils ne veulent pas prendre des risques dans les affaires. Ils ne veulent s'intéresser qu'au spirituel. Oh, les œuvres de Dieu ont besoin d'argent. Les œuvres de Dieu ont besoin d'argent plus que toute autre œuvre. Est-ce par manque de foi ou par ignorance? Mais je sais une chose. La foi nous invite à l'audace. La foi nous invite à l'audace. Et nous trouvons que c'est difficile. C'est impossible parce que nous n'osons pas. Et la fortune ne sourit qu'aux audacieux. Dans 2 Rois 7, nous avons une histoire qui nous est relatée d'un officier du roi qui n'a pas cru à la parole de l'homme de Dieu, Élisée. Et ne voulant pas prendre des risques, est mort prématurément.
alors que les quatre lépreux qui se tenaient à la porte de la ville ont accueilli favorablement cette parole et ils sont devenus propriétaires d'une immense richesse. La foi, cette histoire illustre si bien ce que nous observons aujourd'hui avec les chrétiens sur la place du marché. Et je peux dire que ces quatre chrétiens représentent les non-chrétiens qui dominent aujourd'hui ce secteur aussi important et vital. Cette sphère d'influence qu'est l'économie et les finances. Il y a le plus souvent plus de mouvement de conscience parmi les gens non convertis que parmi les croyants. Il y a plus de courage moral chez les braves gens à la fois douteuses que parmi ceux qui se targuent d'appartenir à Christ. Triste. Mais c'est la vérité. Triste. Mais c'est la vérité. La réalité qui saute aux yeux. Ça doit changer. Et le réveil peut changer cela. Et le réveil peut renverser cette tendance. Il faut que ça change. La place du marché, l'économie et les finances. Vous savez, Satan revendique cette sphère. Satan veut régner sur toutes les ressources de la terre en prenant le contrôle des finances et des places des marchés. Mais vous et moi, par le réveil, nous pouvons renverser ce glissement vers le chaos, vers l'esclavage économique en investissant sur la place du marché, la place des affaires, avec la foi et les vérités bibliques. Il nous faut un réveil qui nous permettra vraiment de détenir la clé du royaume. Dieu nous a donné la clé du royaume. Jésus nous a donné la clé du royaume. Mais qu'en faisons-nous? Mes frères et sœurs, oui, beaucoup se souviennent peut-être de l'émission Idée lucrative que j'avais faite sur la radio de l'Évangile. Et beaucoup se souviennent peut-être de tout ce que cette émission, comment ça a impacté, ça a changé la vie des gens. Cette émission a connu un grand succès. Inlassablement, deux fois par semaine, j'ai enseigné la première voie de la prospérité, la formule chère à Henri Kissinger. Henri Kaza plutôt, c'est Henri Kaza qui a dit: trouve un besoin et satisfais-le. Et c'est ce que j'ai enseigné au cours de l'émission Idée lucrative, en y ajoutant les principes bibliques pour la réussite des affaires. Écoutez, quiconque répond aux besoins des autres, aux besoins d'autrui, sera toujours prospère. Dieu veut toujours rassembler des hommes et des femmes qui ont un cœur de serviteur. Écoutez bien, mes frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau et élus pour être la solution dans ce monde en désarroi. Et selon Éphésiens 2, verset 10, les bonnes œuvres sont préparées d'avance par Dieu lui-même pour que nous puissions les exécuter, nous qui sommes les élus. Mais
pendant plus de 15 ans. J'ai donné gracieusement beaucoup d'idées d'entreprise pour permettre à un grand nombre de personnes de se prendre en charge. J'ai envoyé gratuitement plusieurs frères et sœurs sans soutien en apprentissage, dans les ateliers, dans les centres de formation. J'ai trouvé du travail à ceux qui en cherchaient à travers cette émission. Je rends gloire à Dieu et je le remercie de m'avoir fait cette grâce. Mon seul souci était l'épanouissement des frères et sœurs dans les églises, surtout ceux qui s'adonnaient à des activités illicites et déshonorantes avant la conversion et qui ont besoin d'une béquille. Mais à travers cette émission, j'ai compris alors et des agences de recrutement ont vu le jour, des écoles de marketing ont commencé à surgir. Avant cette émission, il n'y avait pas ça. Donc on a Je me rappelle l'ancien président de la boîte devenu plus tard président de la République dans son pays. Ça n'était intéressé lui aussi. Il suivait chaque fois les émissions et me demandait des copies de l'émission. C'est ce que je lui envoyais régulièrement. Cette émission a fait son temps. Mais j'ai été ravi quand j'ai été pour la première fois aux États-Unis. De découvrir que cette émission a permis à un compatriote d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Il est allé là-bas, il lui était difficile de dénicher un emploi. Et il s'est rappelé mes idées lucratives et il s'est mis aussitôt à son compte. Et le restaurant est florissant. Lorsqu'il m'a vu, il m'a offert sans hésitation me prendre en charge durant tout mon séjour là-bas. Que Dieu soit béni. Mais vous verrez bientôt de nouveau cette émission sur LNTV. LNTV, la nouvelle chaîne de télévision pour le réveil. Mes frères et sœurs. Le secteur des finances. Je ne comprends pas pourquoi les églises c'est seulement vers le secteur de micro et crédit qui se sont tournées. Dans son ensemble, je crois que le peuple de Dieu doit prendre conscience pour inciter, exhorter les fidèles à prendre en main les affaires de cette nation. Je parle de l'économie et des finances. Essayez d'imaginer ce que 5 voire 10 000 entrepreneurs chrétiens pourraient avoir comme impact sur cette nation. Mais c'est devant nous qu'on a créé, je peux dire, la banque EcoBank. Quand on a lancé l'idée, on cherchait les associés de cette banque. Mais aujourd'hui,
Voyez comment cette banque est florissante. Avec des agents, des succursales dans beaucoup de pays. Mes frères et sœurs. Non. L'église aussi dispose des non-potentialités. L'église n'est pas du tout pauvre. Loin de là. L'église dispose aussi d'énormes ressources financières. Mais ce qui manque est ce que le réveil va révéler. Des visionnaires, de bons gestionnaires, de bons administrateurs, de vrais managers. C'est ce que le réveil va révéler. Et l'église peut dénicher toutes ces personnes-là en son sein. Et l'église saura qu'elle ne va pas seulement viser le ciel, mais elle va transformer son milieu. Écoutez, Pharaon a pu déceler à Joseph ce jeune hébreu vendu comme esclave, un enfant de Dieu. Pharaon a pu déceler les qualités d'un bon manager. Pharaon te do jesi nous dit pas là les Joseph à Mexico ou ben y'a clouvi on les drame vagbeme. D'un bon gestionnaire. Et lui a confié l'administration du pays pour lui éviter la famine. Aye o choye po dwa katame nous dit pas quoi desi alemena et do wa me do tout magava. Est-ce que Joseph a pu réussir sa mission? De Joseph te il a réussi sa mission avec brio et n'a pas manqué le ciel pour autant. Ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que l'église n'a pas appris la leçon de Joseph. Et les responsables aussi n'ont pas appris aussi de la crise des années 92 lors de la guerre, lors de la grève générale illimitée. Sinon, beaucoup prendraient des dispositions idoines pour faire face aujourd'hui efficacement à cette crise sanitaire que nous connaissons, cette crise de coronavirus. Quand on a fermé toutes les églises, beaucoup ont pleurniché. Pourquoi s'étonner que toutes les églises ne sont pas encore autorisées à rouvrir leurs portes, tandis que les bars, les restaurants, les buvettes, les marchés, les écoles, le sont et sont remplis de monde. Et le comble. Lors des cultes, des églises qui sont autorisées à rouvrir les portes. Mais les policiers sont à leur cul comme des bambins. Où sont nos œuvres qui impactent cette nation, mes frères et sœurs? Où sont nos œuvres? Montre-moi ta foi par les œuvres. Imaginez ce que ça ferait si toutes les églises pouvaient consacrer au moins 20% ou un cinquième de leur budget annuel aux œuvres sociales. C'est l'heure de nous réveiller. Le réveil, c'est maintenant. Nous n'allons plus dormir, nous n'allons plus sommeiller. Mais quand on parle de gestionnaire, quand on parle de manager, quand on parle d'administrateur, nous avons encore des plus prospères dans la Bible. Comme Abraham, comme Jacob, comme Moïse. Nous avons aussi les premiers disciples de Jésus-Christ qui ont établi des diacres pour s'occuper des questions matérielles et financières.
Nous avons aussi les âmes de Paul, le faiseur des tentes. Les âmes de la riche marchande de poupe, Lydie. Pour ne citer que cela, Jésus ne s'est pas non plus occupé uniquement des questions spirituelles, mes frères et sœurs. L'œuvre de Dieu a besoin d'argent plus que toute autre œuvre. Oui. Mais l'argent ne doit pas être dans les banques. On ne doit pas thésauriser. L'argent de Dieu n'est pas fait pour être thésaurisé dans les banques. Les banques en profitent. Et nous-mêmes, les banques en profitent. C'est ce que nous collectons. Les offrandes, les dîmes, tout ça là. Les banques en profitent. Ce n'est pas fait pour être thésaurisé dans les banques. Ça doit être plutôt fructifié pour l'avancement du royaume de Dieu. Et au lieu de générer d'importants profits pour les banques, et au lieu de les gaspiller dans des activités d'anniversaire et d'autres divertissements pour célébrer nous-mêmes, cet argent peut créer des richesses en relevant les conditions de vie de tout le monde. Le réveil va renverser cette tendance. La foi sans les œuvres est une foi morte. Mes frères et sœurs, oui. Au Bénin à côté. Je vais vous donner cet exemple. Au Bénin tout près, une fédération d'église est propriétaire d'ONG. Une fédération d'église. Faut bien préciser. Toi. Les gens vont bien comprendre. Et cette fédération a à son actif un hôpital moderne. Une station radio. Des établissements scolaires. Des collèges. Une structure de collecte de déchets ménagers et d'assainissement dans la ville de Cotonou. Et le personnel, ce sont les chrétiens. Aujourd'hui, nous savons que Dieu n'habite pas dans les édifices faits de mains d'hommes. Que nous-mêmes nous sommes son temple. Nous sommes des pierres vivantes qui forment son église. Alors à quoi bon chercher à ériger des cathédrales somptueuses, des temples majestueux à coût de centaines de millions? Puisque Dieu ne les considère plus. Nous avons tout au plus besoin de lieux de réunion. Mais pas des palais. Pourquoi agissons-nous même aujourd'hui comme si Jésus n'allait plus revenir, comme si le ciel est une utopie? N'oublions surtout pas, toute œuvre sera passée par l'épreuve de feu. Bientôt retentira la trompette de l'archange. Le retour de Jésus est imminent. Le temps est court. Écoutez mes frères et sœurs, je veux terminer en disant que nous manquons cruellement chez nous aujourd'hui d'un centre culturel chrétien à l'heure où nous sommes. Aujourd'hui, si chaque chrétien que compte le Togo
donnait seulement 1000 francs, l'église pourrait par exemple construire ce centre et le doter d'un grand amphithéâtre, d'un grand auditorium, d'une bibliothèque, et pourquoi pas et une station radio, une station télé, en plus d'un grand espace qui pourrait contenir, je dis bien, plus de 100 000 places, 100 000 personnes pour les grandes croisades d'évangélisation. Le monde est bâti, est construit à partir d'idées. J'ai déjà, il y a quelques années, fait une telle proposition au cours de mon émission Idées lucratives et sur JBA. Donc, et j'ai lancé un appel de mobilisation à cet effet. On peut toujours encore essayer. LNTV est aujourd'hui là pour appuyer cette idée en ce sens. Autant le rappeler. LNTV, Lumière des Nations TV, est là pour spécifiquement la cause de Christ. LNTV, la cause du royaume de Dieu. Faire avancer le royaume de Dieu. Faire connaître le royaume de Dieu. Le promouvoir et le défendre. Rien de plus. Rien de moins. Et notre vision, c'est le réveil spirituel, le réveil de l'église pour amener la transformation de nos nations comme les réformateurs l'ont fait avant nous. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage à élargir nos tentes. Voilà pourquoi nous devons élargir notre vision de l'église, notre vision du champ de Dieu. Et regardons les défis des temps actuels qui s'imposent à tout le corps de Christ. Et osons. Osons. L'église est assez riche et les talents ne manquent pas. Unissons-nous. Et levons des fonds pour mettre sur pied des structures de développement pour accompagner l'église. Pour impacter cette nation, nous le pouvons. Mes frères et sœurs, oui, nous le pouvons. Dieu ne nous voit pas au point où nous sommes, mais là où il veut nous amener. Oui, il nous faut le réveil. Cela n'a pas besoin d'un titre ou d'aucun diplôme théologique. Uniquement la soumission à Dieu. Dieu leur dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Les pasteurs qui sont avec moi, Dieu dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Est-ce que vous pouvez prier pour le réveil pour qu'on clôture cette émission? Oui, avant de prier pour le réveil, je vais donner le micro au frère Léonce qui a aussi une annonce à vous faire pour l'émission de la semaine prochaine. Rapidement, vous devez vous préparer pour suivre cette émission. Amis fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'émission sur LMTV. Et je crois que l'évangéliste Afolabi revenait sur un mot. Quelle heure est-il? À quand le réveil? Et cela pose la problématique du temps.
qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps, dans quel temps nous sommes et qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps. Et cela touche non seulement la dimension spirituelle, la dimension sociale, toutes les dimensions de l'homme. Et c'est pour cela que le samedi prochain, à partir de 8h45, dans l'émission Test et Conteste, et justement associé à l'émission Prépare-toi à la rencontre. Donc les deux émissions vont être fusionnées justement le samedi prochain pour débattre du thème quelle heure est-il. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce temps en tant qu'enfant de Dieu? Pour non seulement plaire au Seigneur, mais pour pouvoir impacter notre pays et le monde entier. Donc nous vous donnons rendez-vous sur le samedi prochain à partir de 8h45. C'est avec notre bien-aimé l'évangéliste Afolabi et d'autres pasteurs qui seront là ici pour pouvoir en débattre. Yeta miel et miakpem bena nichoma nyanotoji la bosoma et premier pour l'onoto maunya kakala pasteur Afolabi le pasteur Bubosiano et pour l'anti. Ne manquez pas ce rendez-vous. Miga dopo wanaya seseo. À bientôt. Nyadogo. Merci. Vous allez prendre place, vous allez prier. Pour le réveil. Amen. Alléluia. Nous allons prier ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir là où il y a la justice. Alors la gloire de l'Éternel se manifeste. Mais lorsqu'il y a le péché, le péché apporte la honte au pays. Nous allons prier ce matin bien aimé au nom de Jésus-Christ. Que le réveil vienne dans cette nation au nom de Jésus-Christ. L'Esprit de l'Éternel la carte amenée à ta socorro mau va modia mau va bonne no yo batali a to bora le decanier mau nous soka ta tomie ka fonie do le jure so pour le decanier pop premier soka pour ka fon de do le jino après tomie to bora le decanier avec Jésus Christ so pour comme bon ce le jeune dans le novana et ho ami to bora le decanier le Jésus pour comme on nous sonne ta si wanti le Jésus Sponsor à gauche à droite. Le Yesu Pankoma. Au nom de Jésus. Toute personne qui écoute.
Et bénis les leaders, les fondateurs. Car la signe est belle ici.
J'ai l'assurance que tu as écouté. Merci Père. Jésus-Christ au bon comme. Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous appeler l'homme de Dieu. Le 90. Plus 228 90. 03. 60. 60. 86. 86. Que Dieu vous bénisse. Le Jésus bon comme. Merci beaucoup. Amoko se mi encore en direct. Vous écoutez en direct. Que Dieu vous bénisse. Nya de coucou na mi bena. Il sowale ya wa. Et samedi prochain. Nya balle mi abonu mi abonu se mo. Et encore enregistré. Nem yakba semiamu miabo encore. Écoutez, soyez connectés. Allô miakba pomi le didi. Et vous allez vous voir sur la chaîne. Maune yira mi lo. Dieu vous bénisse. Ibon ti pa fane no miadi. Sa